Un peu d'eau et beaucoup de temps ont rendu à ces images leur mystère. Des visages. Des corps familiers. Une époque devenue paysage lunaire. Amas de poussière. Incantation muette d'une mémoire pleine de trous. Ensevelie par l'oubli. Je suis né 20 ans après l'indépendance, sous le signe du léopard. Léopold était déjà mort, sa ville rebaptisée, Kinshasa. Une autre histoire s'écrivait alors, dont les auteurs m'étaient proches. Si proches que j'ignorais tous deux. Faute de recul, sur un récit en pointillé. Jonché de silence, d'omission, à intervalles réguliers. Alors un jour, il y a près de 15 ans, je suis allé voir mon grand-père. J'avais sur moi l'autre cassette audio et un petit micro. Je lui proposais de recueillir sa parole. De fixer sur une bande sa mémoire, lui qui se refusait à l'écrire. Je voulais savoir ce qu'avait été sa vie de colonisé, sortir des mythes que je m'étais fabriqués. Mais il s'est dérobé, une fois encore, avec la sérénité de celui à qui on ne l'avait pas. Alors je suis revenu. Quelques années plus tard, avec cette fois-ci une caméra et beaucoup de patience.